de Kobalangi, à les avertir, nous avons pas besoin de souffrir, on attend juste pour passer la vie de l'eau. Maintenant, on sent l'émission Oyo, Tozali, 18h51, heure à Berlin. Date des Alliés, donc lundi le 26 décembre 2022. Donc, on comprend que les Alliés, peut-être émission à Soukapon à l'année 2022. À nos acquis vraiment n'a pas problème n'a pas situation n'a pas pays et belé bitumba n'a pas Ukraine bitumba na Congo bitumba na katia ba famille to perdre batou donc na année au choléka to perdre bat na katia ba famille ba misusu ba perdre bana misusu ba perdre ba yaeb misusu ba perdre ba leki to commis ko vers la fin n'est-ce pas il y a année au 2022. En fait, mon kili otomo na bandeko et zanango elo comme alunga zate. Je veux dire que pendant que bisto ali ko bunda pour to kota lola, il y a des gens qui travaillent pour ce monde balingi bazala vraiment malam na mokili. Et pourtant na mokili awa elo comme alunga normalement zate. Puisque ali temps mokete vanda na mokili awa. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui meurent à 30 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 50 ans, d'autres même à 80 ans, donc 80 ans, baso koufa. Donc, et lui, quand bat que batouana baso koufa, vivre kaka mouke, bien que baso à 80 ans ou bien 85 ans, ou voire même 90 ans, lui, quand vivre mouke par rapport à Mikolo, on zamba bombe libiso na vie éternelle. C'est pourquoi le temps que nous passons, n'est-ce pas, nakati à mouki, awa, et bongito géré en gomalamo. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible plusieurs fois, baliko répéter, balbi racheter les temps car les jours sont mauvais. Ça dit, tant que nous avons l'émission Oyo, il y a des gens qui m'écouteront. Il y a des gens qui vont peut-être écouter cette émission ou voir, regarder cette émission, mais après, tu évites ce qui va se passer dans leur vie. Donc, chaque fois, ce qu'on a eu l'occasion à Boendeko, nous avons eu l'occasion pour comprendre ce que le Seigneur veut réellement te parler. Bon, moi, j'ai le titre de l'objet, donc les promesses donc, divines, pour ne pas dire les promesses de Dieu. Vous savez, chaque fin de l'année, émission, on a les avertis, on a que chaque fin de l'année, tout ça, que émission, on a conscientiser, à quoi avertir, il y a qu'au conseiller, il y a exhorter tout par rapport à manipulation. Il y a un important pour l'émission, pour comprendre ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour nato l'obéla labino. Nous allons prier pour commencer notre émission. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le temps que tu as permis, Seigneur, que nous puissions parler avec ton peuple. Yahweh, nous voulons te laisser ces moments, soit avec nous, parle-nous, que ton esprit seul puisse nous conduire dans la vérité. En ton nom, Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Les promesses de Dieu. Nako kende vraiment na pratique, hein? Et puis tu as verset biblique, tout ça. Boyebi tout ce que le Seigneur a fait na mokili awa et lo kwa sika ezali susuté. En fait, depuis que le Seigneur a créé le monde, depuis que tu vives na kati ya mokili awa, biso batoye sima ya ba bazali ki liboso na biso, to kokui peut ko fabriquer makambu to biloko, mais lo kwa sika ezali ngote. Pourquoi? Puisque tout ce que le Seigneur a fait ezali ngote déjà bien. Tout ce que le Seigneur a fait ezali ngote déjà na place na yango. Alors, maintenant chaque mutu, c'est à chacun maintenant de voir dans le domaine au travail, dans le domaine où on évolue. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et avant même tout banda qu'on énumère quelques promesses au Zambé, à Pessa, à Banaye, puisque aujourd'hui je vais vous parler par rapport à la fin de l'année. Pourquoi? Puisque je sais que ma assemblée ming na fin de l'année ba pesaka ba na ba slogan e belé belé ba na ba publicité belé belé et bino bozo kanga ba na Nzambe. Lorsque nous sommes en train de faire ça, ce n'est pas que bozombongo na bobombango pona biso, c'est pas ça, mais c'est pour vous dire seulement que Nzambe a pambolaka au moyen de l'argenté. Nzambe pambolaka te po pesi mbongo, non, Nzambe pambolaka soza vraiment mwana e Nzambe pambolaka soza travaux ko marcher dans la sanctification. Nzambe pambolaka soko ali ko banga et ali ko donc à Pambolaka, ce qui déjà aux yeux beaucoup à l'icolo, puisqu'à l'objet que recherchez d'abord le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça dit, ce qui déjà moutou, Oyambi Yeshua na katabo moinayo, osa déjà na garantie wana que na mokili awa, il va te donner ce que osa na besoin na yango. Mais beaucoup à moitié de fois, tu peux
demander quelque chose à Dieu, mais à salir en côté. Pourquoi? Puisque azo mon importance dans côté. Imaginez-vous Moutouka Paul, azo senga na Nzambe, azo senga na Yeshua, a longola e de formation, zaki na kati anzo tonaye, Yeshua lobi ke non ma grâce te suffit. Ça dit, somme la grâce en Nzambe, et le kim mbongo, puisque mbongo ko tikala, mais grâce e ko me maoti na lola. Mbongo ko tikala, mais grâce e ko pesa yo lobiko. Mbongo ko tikala, mais grâce e ko pesa yo vie éternelle. Mbongo ko tikala, mais grâce e ko pesa yo santé. Mbongo ko tikala, mais grâce c'est qu'on peut ça au même maillé la kibomoto. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus comme des animaux, puisqu'ils n'ont plus la grâce de Dieu. La grâce les a quittés tellement que parmi qu'on agit, le quoi, animaux en fait, parmi qu'on agit dans l'instinct, on peut agir dans la conscience, dans l'intelligence et puis dans la sagesse. C'est pour te dire que non, ce que tu recherches, il faut qu'on écoute en la volonté en Nzambe, pour Nzambe peso yango, puis accorder na yango. Alors que ça, la li que l'emba na Nzambe te ristourne, que na pesa pour Nzambe pa pesa ngai. Nzambe a travaillé avec bonté. Nzambe a travaillé avec la moutou. Oyo, a besoin comprendre d'abord bah principe spirituel. Moutali ko comprendre marche spirituelle. Moutali ko comprendre comment marcher avec Dieu pour plaire, n'est-ce pas Dieu? Donc passage n'a pas été awa na lobi. Tout ça à Matthieu chapitre 6 verset 33. La Bible nous dit ceci, Yeshua m'tazolo ba awa lobi. Cherchez premièrement le royaume de le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus. Ma préfère tout mes gars, j'en ai l'école plutôt qu'il y a tinassé. Na Matthieu chapitre 6, Tobanda à partir à verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Donc continue à 7, Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Là, maintenant, je suis en train de vous parler par rapport à ma promesse en Nzambe. Et je vais peut-être vous choquer. Nzambe a ça la kate puisque nos prières sont longues. Nzambe a salakate puisque nos prières sont belles, sont bien, comment dirais-je, classées. Nzambe a salakate puisque nous parlons bien, nous articulons bien. Nzambe a salakapo na bongote. Nzambe a salakaso ki prière na yo et koute na volonté na ye. Exemple, ozali moi na Nzambe, tu veux avoir un travail donné. Parce que moussala na Nzambe ebi ke soko zi moussala na comme il est omniscient, moussala na peut-être ko permettre yo te ke otika la kati a makolo na ye. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va, n'est-ce pas, stopper que Ozo Moussala wanate. Mais toi, quand tu vas demander à Dieu, mais tu vas t'étonner peut-être, mais comment Dieu ne m'a pas donné ce travail? Puisque le Seigneur, comme il est omniscient, a yébi que l'okozala, et ça m'a la mouté. On a l'oubli que chaque fois, lorsque tu demandes, Senga volonté Nzambe koki, ça m'a la mouté. Puisque nous connaissons des gens qui prient, même, ils peuvent prier même 4 heures du temps, mais à ça, quand ils battent, qu'ils ont prié 4 très bien pour n'aller sur quand ça que non à convaincre Nzambe. Nzambe va convaincre Kaité. Nzambe va supplier Kaité. Nzambe va prier Kaité. Mais tu peux pas convaincre Dieu. C'est pas tes mots, ce sont pas tes phrases qui vont convaincre Dieu. Dieu est esprit. Solingo Nzambe Nzambe malam, il faut ressembler la carte esprit, la foi, puis la vérité. Ça dit il faut que tu marches selon ce que lui veut que tu marches. Même si tu étais pécheur, il faut avant au pour ça n'est pas Nzambe, au Seigneur d'abord limbi sia masumu na yo. C'est pourquoi il dit ici que non, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Imaginez-vous que lorsque Yeshua était sur la terre, il voyait ces gens prier. C'est pourquoi il parlait de ça. Et à ce moment-là, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il Israël. Et il quitté Israël, il commis partout dans l'assemblée dite chrétienne. Parce que continuer, n'est-ce pas, avec cette allure-là, j'ai participé une fois, il y a quelques années,
bazo prier bazo crier bazo ko baza ko makamaka mbele même moi qui est censé de comprendre ce qu'ils disent qui ce qu'ils parlaient je ne comprenais rien pourquoi puisque il y avait tellement un bruit que désordre moko total tu peux même pas te concentrer pendant que ça me là il y a des prières qui nécessitent réellement un retrait au mi ben du mon chambre na tu pries ton Dieu avec de faibles mots, avec de mots précis, pas vouloir convaincre Dieu. Dans le binzam, il va convaincre. Arrêtez pas, imitez Malabiso. Il est le seul qui sait sonder nos cœurs et nos reins. Même le diable ne sait même pas sonder nos reins, ni nos cœurs, puisque le diable n'est pas notre créateur. Mais seul notre créateur, il peut rentrer dans ton cœur et voir même tes pensées. Voyez-vous, il y a fait des fois que Yeshua, quand il parlait devant les pharisiens ou devant ses disciples, lorsque ceux-là, des fois il donnait des réponses. Là, je suis en train de vous dire, de vous parler par rapport à la prière. Je continue Matthieu 6, 7. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Quelles sont les vaines paroles? Les choses que tu as déjà répétées, et tu continues à les dire, toi tu penses que en les répétant comme ça, Zambé Ndakosala. Non, c'est pas ça. Bandeko, Zambé Sanakatia foi. La Bible nous dit que lorsque vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, une fois, lorsque tu fais une prière, passe à autre chose. Soit loue le Seigneur, soit serre-le, soit bénis son nom. Viens avec tes chants devant lui et élève seulement son nom dans sa vie. Élève seulement son nom dans ta vie afin que Nzambe puisque ça ne sert à rien ce qui aux amours Nzambe devrait être au Lukalobiko. Regardez dans la Bible dans Luc tout le monde a histoire donc à lépreux basaki basaki atteint n'est-ce pas na malade là donc lèpre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Yeshua a bikisi bango au moyen de la parole, bien sûr ils ont cru tant baké na Nzambe qui bakomaki n'est-ce pas bakomaki propre, c'est-à-dire la lèpre les avait quittés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le neuf sont partis, mais seulement un qui est revenu pour nakoepsa qui est revenu vers Dieu, vers Yeshua pour nakoepsa sa merci. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui pensent que lorsque tu es sauvé, lorsque tu es guéri, lorsque tu as de l'emploi, lorsque tu as un enfant, puisque tu cherchais d'enfant, c'est que Nzambe a commis mes camarades na offert, c'est que je voulais dire, c'est que Nzambe a commis ti confident na yo, Nzambe a commis et pourtant na quatre tu sais qu'il y a des choses que tu fais. C'est pourquoi je te dis que le matériel ou bien le miracle visible, des fois ce sont des miracles qu'on a bien encore temporaires. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 7, 21-23, Yeshua l'obit, plusieurs viendront et diront, nous avons fait ceci et cela en ton nom, et il leur dira, ôtez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi des fois Yeshua laisse, Yahweh laisse que mon miracle pour la combo et donc et ton et yomoko ce qui au moni peu miracle le cola donc neuf donc le prewana et que aux autres ma cola nzambete au komona bokozali koloté. C'est pourquoi on continue dans Matthieu 6 na kei na lobi na osoté na komina. Ça sont les questions que les gens se posent souvent, les questions que toi tu es en train de te poser les mêmes questions. Matthieu 6 31, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Voilà ça, inquiétude à battre chaque jour. D'autres cherchent à manger na bamboka o biloko les athées, d'autres cherchent un bon travail na bamboka o tuvandi, d'autres cherchent ils veulent acheter des maisons, d'autres veulent avoir d'enfants. Ce sont des inquiétudes de chaque jour. C'est pourquoi là donc Yeshua il est en train ici de nous rappeler selon ce que nous sommes. Que boirons-nous, na continuer de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, voilà Yeshua va répondre, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc on comprend ici, lorsque Nzambe, il y a des choses que tu ne peux plus demander. Pourquoi? Puisque lui seul, il prend soin de nous. Lorsque nous faisons la prière de notre Père, qu'est-ce que nous disons? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Chaque jour suffit sa peine. Yeshua prend soin de nous tous les jours. Même ceux-là qui vont penser que non, le 31 décembre, tous fêtés sur Koezali, donc 23, tout ça. Non, Dieu prend soin de nous chaque jour. Pas seulement chaque année. L'année, c'est la totalité des jours. Donc, le jour est plus important que l'année. Pourquoi? Puisque le jour où tu es né, ils ont acquis le 1er janvier 00. C'est-à-dire le compteur plutôt, n'a pas commencé qu'à la place Yobotami. Non, c'est-à-dire le jour où tu es né, ils ont dit le jour où Nzamba se plaît que Yobotama. Le jour où tu vis, c'est Nzamba se plaît que donc au vivre. C'est pourquoi tu verras que Bamissou a koufa le 1er janvier, Moussou a koufa le 1er mars, Moussou a koufa le 24 avril. Ça dit, ça n'a rien à voir avec le début ou la fin de l'année par rapport à calendrier donc grégorien ou psautalique utilisé. Ça dit, c'est pour vous faire comprendre seulement que il faut que Kumisa Nzambe mikolonions et sa promesse. Lorsque même ils disent ces choses que je suis en train de lire ici, Azolo Bango pour na bana na Nzambe, alobi que non biloko batuba sengaka. Ce sont de païens, n'est-ce pas, qui les cherchent. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Yeshua dit ici, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors dans 30 ans, ce qui est important pour vous, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, Kozwa Moussala, Kobala, Kobotabana, Kozwa, c'est pas Kosomba Ndaku, c'est pas Kosomba voiture, ce qui n'a ébité nini. Tout ceci vous sera, n'est-ce pas, donné par-dessus. Matabisi, ce qui vient par-dessus. Bon, on va vous expliquer Bino que les promesses de Dieu sont là. Les promesses de Dieu continuent à être là. Les promesses de Dieu sont en train d'être vécues et aussi en train d'être vues par, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Moi, je suis aussi le fruit de la promesse de Dieu. Il y a des promesses de Dieu que je profite aussi pendant que je suis en train de vous parler. Puisque la santé que Dieu nous donne chaque jour n'a pas de prix. Et la Bible continue à dire, Yeshua dira, maintenant, pour nous reçu que ça, Matthieu 6, 34, le Bible, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, j'avais déjà dit ça tantôt. Donc, bref, c'est pour vous dire ici que, et là, mais tout ce que nous sommes en train de faire et demander, ce n'est pas que Nzambe a salaka par rapport à ma prière na biso, ya mikuse, ya milayi, ya malamu, ya français, ya anglais, ya lingala, ya swahili, c'est pas ça. Nzambe a salaka so ka moni ke makambo zo loba. Ezo ko kuta na volonté na d'abord. Mais ce qui est important ici, il faut d'abord que tu saches. Ce n'est pas un homme qui peut proclamer une année de victoire na bomwinayo. Et tu dis amen en fermant les yeux. Non. C'est Dieu seul qui prend soin de toi. C'est Dieu seul qui, en fait, lorsqu'il promet, il le fait. Et lorsqu'il le fait, des fois, ça étonne beaucoup. Pourquoi? Il le fait tellement bien. Puisqu'en lui, il n'y a pas de défaillance, en fait. Il n'y a pas d'erreur dans le cas de Nzambe. Dans Nzambe, l'erreur est à la kate. Puisqu'il sait tellement tout, il connaît tellement tout, que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait tellement bien. Tellement bien. Bon, comprendre le Kobandeko. Nabi que d'ici une semaine, awa, les gens seront dans des veillées de prière pendant le 31. Nous, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vous dire n'allez pas. Non, chacun sait ce qu'il fait, au fait. Mais ce que moi je veux vous dire, lorsque tu te mets ensemble avec des gens qui dépouillent d'autres gens, et lorsque tu fais partie, n'est-ce pas, il y a un groupe Wana. Il n'y a pas toi qui dépouille Baninga Moussousou. Aux autres qui commettent le même péché que eux. Na poto, par exemple, va travailler avec Ming, les gens souffrent. Et tu verras quelqu'un qui escroque Bango, qui escroque Batou, au vu au sud de tous. Et les gens donnent, pourquoi? Puisqu'il y a un soubassement biblique.
Et pourtant, la personne ne prend la Bible que pour, n'est-ce pas, officialiser, n'est-ce pas, ou soit crédibiliser son mensonge. C'est pourquoi je vous dis que non, les promesses de Dieu, c'est Dieu seul qui veut, qui va, n'est-ce pas, les, donc les accomplir sans que biso to pousser, sans que to influencer, sans que to convaincre. Yé moko sala on attend na yé. Chaque personne, toute personne qui me suit a son jour de la mort comme son jour, comment dire, de la naissance. Tout le monde a botami un jour à aucun des jours naïe. C'est-à-dire toute personne a un parcours que Dieu a tracé pour lui. C'est ce qu'on appelle le destin. Bien sûr, on va demander à Dieu, puisque nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que lui en fait veut. Mais lorsque tu as la foi, il y aura des choses que tu ne vas plus demander. Bon, c'est la plus macambo et zali palpabilité. La patience, l'amour, la joie, la paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils n'ont pas d'amour. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils sont malades. Muto a créé Kinini, comment on appelle ça, iPhone, hein, Muto Apple. Steve Jobs a koufana ni na cancer. Mais Maïel a créé Babylon, mais il ne pouvait pas arriver à un niveau qui a cancer. J'ai essayé un peu de lire son histoire jadis. Il y a quelqu'un qui partout pour le lobby, et pas indien, à côté de Babylon, Belé, donc chaman, tout ça. Mais après, il a couffé quand même. Pourquoi? Puisque la vie et la mort, ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir, comme on a eu Yeshua, Hamashiach. C'est lui qui peut décider de ta vie ou de ta mort. N'est-ce pas, on a vu une personne à subir, on a crashé un avion, on a couffé un mot, on a biki. N'est-ce pas, on a vu que on a guerre, on a couffé un biki. N'est-ce pas, on a vu que moutou a sali accident, il y a un moutouka, on a couffé, mais il y a un biki. Pourquoi? Puisque jour n'a eu qu'on a noté. C'est ce que je suis en train de te dire. Les choses que Dieu fait dans ta vie, il les fait selon son programme à lui. Les promesses de Dieu n'ont pas commencé aujourd'hui. Que personne n'a consabino que non, comme année passée, il y a qui année de victoire. Si quoi année, combien d'années il y a arrachement, et combien d'années c'est pas, il y a récolte. Non, abako sabinoté. Et ça, slogan, ça, la kango, chaque année, pour n'a tromper bino, après, bon, paix, ça quelque chose. Mais pourtant, peut-être que tu as depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, au monde, que toutes ces choses que balobaka, et que ça m'a l'angoté, tant que ça m'a l'angoté, et pas moutmoroto moussous. Pourquoi? Comme je vous ai dit, chaque personne a un destin. Dieu ne peut pas faire tout, et pas moutoubatunion, son au même moment, et puis n'est-ce non. Dieu fait grâce à qui il veut, et au moment opporté par rapport à ce que Dieu pense pour la personne qui a bien. Et ça bien. Comment ça m'a copé ça, au moins, ce qui nous a appelé sur l'ibalaté? Comprenez un peu. Ça m'a copé sur ma cambou, oh, il était appelé sur le cambou avant, et pourtant, aux gens, le niveau, on a été créé sur le cambou, on a besoin de payer sur ma cambou, on a tant à yé, peine à tant à bon ici pour naïo. Esaïe chapitre 41, verset 10, la Bible nous dit: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Oh, esa parole en Zambé. Et tu verras qu'une personne va prendre ça, alors que proclamant les colonnes, yo on dirait que yo ça mou paye na mou kilia. Non, je te dis encore une fois, écris ça, Esaïe 41, verset 10. Si tu crois à ce que tu es en train de lire, si tu crois que la parole de Dieu reste intacte, et si tu crois que Dieu est capable, n'est-ce pas, de te sauver, dans ma kamounions tout, tu peux lire ça aussi, au attribuant on a yo moko, sans pour autant, c'est là que mout moko a réchauffé. Foi na yo, quand sent que otika mutumoko boye a réchauffé, je sais pas comment dirais-je, entendement na yo pour comprendre ma kambo. Non. Ce que je suis en train de dire ici, il y en a la Bible, tangango comprendre. Jérémie chapitre 29, verset 11. Beaucoup de gens répètent ça. Moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Et ça, ma promesse, ça peut être ça qui n'a pas tout beaucoup donné, mais ces promesses, il peut nous donner aussi, ça reste comme ça avec nous aussi. C'est pas impossible que Dieu connaisse mes projets à moi, Kachicha. Dieu connaît mes projets, qu'on connaît les projets qu'il a, n'est-ce pas, les projets qu'il a formés dans ma vie. Il sait, aïe biango. Je venais de vous dire ici que Dieu sait tout. Il est omniscient. Aïe bimaramnions tout oe kosalema avant, après ou oe salema qui après. L'histoire du monde, le jour où le Seigneur va, n'est-ce pas, ouvrir les yeux de chacun de nous pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Peut-être vivre de vivre et te comprendre dans la dimension mususu. Botala ba créature nzambe, botala ba astre, botala ba planète nzamba sala, botala ba mer, botala ba étoile, botala munena nzambe. Ça dit c'est un Dieu tellement merveilleux. C'est un Dieu tellement qui n'a pas de fin, il n'a pas de fin. Asana sukate. Ya ona zo bandlango suna lo bango souvent bandlango pe ekota malamu na kati ya mituna biso alpha et omega. Ce n'est pas que non Dieu est le commencement et la fin, c'est pas ça. Alpha puisque il a été au commencement, omega c'est puisque c'est lui qui va n'est-ce pas fermer toute chose, clôturer toute chose, mais il n'est pas dans le temps, il est hors de temps. À lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps puisque c'est lui qui est le maître de temps au fait. Quand on est maître de temps, on peut changer l'heure, on peut changer l'atmosphère, on peut changer, n'est-ce pas, la météo. C'est ce que Dieu fait. Il connaît tes projets, ma sœur. Il connaît tes projets, mon frère. Il ne faut pas que au banga banga, au koma koluka pasteur assemble la pona yo, au kolumu luka apôtre assemble la pona yo. Ce n'est pas ça. Luka nzambe yo moko na moté ma mobimba. Zonga na chambre na yo. Yepsa nzambe vous en a besoin. Yé moko azala na yo. Vous en a besoin. Yé moko akuta na yo. Mais moi, je t'encourage que tu aies réellement la responsabilité à foi na yo moko, que tu aies la responsabilité à vie na yo chrétienne, que tu aies la responsabilité, n'est-ce pas, à venir na yo spirituel. Nous pouvons t'aider, mais nous ne pouvons pas réellement te sauver, au fait. Nga ko sauver yo te na ko aider, peut-être na pse ko nze ndeko nga pe jadis hein na tambola ki boye tambola boye poza la boye na ko pesa yo ba expérience na nga personnel, mais entre-temps Dieu sait ce qu'il veut de toi aussi. Puisque entre Paul et Pierre, ils n'avaient pas la même mission. L'autre avait la mission pour les enfants d'Israël, l'autre avait la mission pour les païens. C'est pour dire que Dieu appelle chacun selon ce qu'il veut, n'est-ce pas, faire avec la personne. Ésaïe chapitre 40, verset 31, le but que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. C'est ceux-là qui, n'est-ce pas, comment dirais-je, comptent sur l'Éternel. Quand tu comptes sur l'Éternel, la Bible nous dit que maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Yeshua. Mon frère, ma soeur. Ce que je suis en train de te dire là, c'est ali capital au comprendre en go. En est aussi là dans une semaine, à son zaba garder bisso. Quelle est l'idée que tu as de Dieu, le Dieu que tu sers? Idée nous en go. On a l'idée que non, pour un zaba il faudrait qu'une personne vienne, qu'on joue rôle, il y a arbitre, qu'on joue rôle, il y a intermédiaire. Non! Il n'y en a plus d'intermédiaire qui s'associe. Entre Bissou et Nzambé, ils allaient direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Même lorsque la Bible parle que entre Bissou et Nzambé, l'intermédiaire, ils allaient à Yeshua. Mais Yeshua, il y a un appel à Nzambé. Quand tu crois en lui, il va habiter en toi. Lorsqu'il habite en toi, tout ce que tu penses là, il sait. Tout ce que tu veux faire, il sait. Tout ce que tu penses faire, il sait. Donc ça dit tu dépends de lui à 100%. L'apôtre Paul dira que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur est en toi, même le démon aura peur de toi. Sans que Osambela, tant que Monica, il n'y a pas de kima kima. Quand je dis que Moutoumou Bozaki n'a pas bien, je suis un ennemi, je suis un ennemi, je suis un ennemi, je suis un ennemi.
presque azo mona makambo oza na kati na yo on dirait azo manti ya zonge la te yo c'est toi qui est en train n'est-ce pas de briller. Il a pas seulement peur de toi, mais il a aussi cette haine, cette jalousie par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. So yo olandisco ba distraction na de foi koko boum ça peut même le ko nzambe apesio. C'est pourquoi moi je compte sur mon Dieu, je compte pas sur une personne, je ne compte pas sur mon frère, je ne compte pas sur ma sœur, je ne compte pas sur ma femme ou mes enfants, je ne compte pas sur, c'est pas mon travail, mais je compte vraiment sur l'Éternel. C'est pourquoi je suis en train de renouveler ma force, puisque lui renouvelle ma force, je suis en train de prendre de l'envol comme l'aigle, je suis en train de courir sans m'épuiser, je suis en train de marcher sans me fatiguer, car je sais qu'il est avec moi. Toujours Ésaïe 43, 2, le Bible. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Tout le monde a couffé, mais il a couffé. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Il est fidèle et il le fera. Il fait des choses. Il fait des choses. Chaque jour. Imagine-toi lorsque tu dors. Tu t'oublies même que tu es en train de dormir, mais tu te réveilles le matin et tu te lèves aussi, tu pries, tu laves, tu pars au travail, tu reviens. Mais beaucoup de gens ne se réveillent même plus. C'est-à-dire à Keina Pongi. Et souvent, ce ne sont pas des bonnes morts comme ça, mourir dans le sommeil. Pourquoi? Puisque qu'est-ce que tu laisses dans la tête de tes enfants si tu avais des enfants? Qu'est-ce que tu laisses dans la tête de la tête de ta femme ou de ton mari si tu en avais un ou une? Qu'est-ce que tu laisses? C'est-à-dire, le même que non, papa Nabiso, ton maman Nabiso, à la boueka à koufa la moukate. C'est grave. C'est pourquoi il y a des fois, nous avons encore permettre que non, avant au Koufa, nous autres, nous avons commis que nous avons commis la souka. C'est là où la grâce de Dieu fait que Moutou, attention, Koufa, et bien que je prépare ma vie avant la Koufa. Il y a un peu de Ngoulou, après, on a Moukipete, au Koufi, et tu pars en enfer. Pourquoi? Parce que ta vie n'était même pas en ordre avec Dieu. Tu n'as même pas eu le temps de te repentir dans beaucoup de choses. C'est pourquoi je te dis maintenant, lorsque tu me suis Ndeko, il faut que ça là chaque fois avant olala ça la prière otobengi prière il y a repentance ça la prière il y a que c'est sanctifié de façon que nzambe ayo que la omawa na nyonso ça la qui a mabe pendant la journée. Il faut que faut pas que la lokola ngulu faut pas que la lokola mutumo ko boye azangi sens faut la avec cette pensée là que c'est Dieu au fait qui prend soin de toi même si la mort venait et que tu es maintenant libre. Comment dirais-je, tu n'as pas de problème avec que Dieu est au monde à Bokonzinaï. Nous sommes en train de parler des promesses de Dieu. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Yeshua HaMashiach, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Yeshua nous a donné cette gloire éternelle. Lorsque tu marches avec lui, sache que tu as une gloire éternelle dans ta vie. Et lorsque tu as une gloire éternelle dans ta vie, sache que même si tu souffres ou même si tu souffrais, le Seigneur fera grâce, te fera toujours grâce, tu vas rebondir. Et le temps de souffrance au robot ça n'en bang ou pas et qu'on a mouqué par rapport à temps on s'en rétablir. C'est pourquoi les promesses que le Seigneur nous a données, elles sont comparables avec des promesses où ça change dans l'enveloppe. Personne n'en a offrande mourir ça n'en a pas si non que chacun donne comme il a résolu sans contrainte.
que chacun donne. Parce que quand je dis chacun donne ici, je ne dis pas que tu as donné à une personne, non. Tu peux faire aussi un geste na bateau bazangi na mokiliawa. Tu as des clochards, c'est pas na place au Vandaka. Tu as ta famille en Afrique qui peut être souffre. Tu as ta famille, c'est pas dans ma pays, en Europe, qui peut être souffre. Prends le temps de faire ce qu'on appelle un petit recensement. Est-ce que je peux donner ces 400 euros à la famille dans la Kaboula, il y a quelque chose. Au lieu de donner ça à une personne qui, après le 31, le premier, le 2, il y a qui a son ma veste, ma chaussure. Moi, tu sais, le côté. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ça dit, ce sont des promesses. Quand le Seigneur dit, demandez, on vous donnera. Toi, tu ne demandes pas, on va te donner comment. Quand le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Toi, tu ne cherches pas, tu trouveras comment. Quand le Seigneur dit, frappez et l'on vous ouvrira. Toi, tu ne frappes pas, comment on va ouvrir la porte pour toi? C'est ça le problème. Là, tu attends que la fin de l'année, qu'une personne se mette devant, vous dire que non, demandez, on vous donnera. Amen. Non, c'est ce que je suis en train de te dire là même. Là. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ces promesses sont là, comme je vous ai dit, mais l'accomplissement, c'est selon Dieu. Comme nous sommes dans la Kati, Ali Banda y a temps. Il n'est ni en avance, ni en retard. Lorsqu'il fait des choses, il a vraiment à couper sa précision. Il faut ça le moment où on a. C'est comme dans la musique, tu vas à synchronisation. C'est-à-dire à synchroniser le miracle, à synchroniser la promesse dans la vie. Na yo. Sans pour autant que yo tant que monde est belé ça moulaï ça ou mais là mais Dieu sait pourquoi zo ou mais là bongo. Entre-temps tu es en train, n'est-ce pas, de grandir dans la foi. Entre-temps tu es en train de grandir dans la patience. Entre-temps tu es en train de grandir, n'est-ce pas, dans la joie, dans l'amour. Entre-temps tu es en train de grandir même dans la connaissance de la parole. Pourquoi? Puisque lorsque tu es dans le problème, tu es en train de chercher la vie, tu es en train de chercher quoi manger de foi, tu es aussi conscient que oui, sans Dieu je ne peux rien faire. Beaucoup de gens, après avoir gagné quelque chose, a commis hautain, a commis orgueilleux, a commis, n'est-ce pas, et pourtant, lorsqu'il manque, il cherche le Seigneur. C'est pourquoi, de fois, même lorsque la souffrance tarde, c'est pour te façonner. Les forgerons te diront que lorsque tu veux, n'est-ce pas, fabriquer ou former un couteau, il faut que tu le frappes. Et avant de frapper le couteau, il faut que ce couteau ait d'abord la forme. Avant d'avoir la forme, il faut que ce couteau passe, n'est-ce pas, dans la fourneuse. Pourquoi? Et comme en moto, puisque lorsque comme en moto à 1000 degrés, et comme il pète, pour qu'on frappe en haut. Dieu fait des choses comme ça pour qu'on ait la forme avant qu'il pèse quelque chose. Les promesses de Dieu sont vivantes, les promesses de Dieu sont réelles. Que personne ne te mente avec ma message moko philosophique, ma message moko psychique, ma message moko azoluka, motivation. Non, non. Il ne faut pas motiver. Il ne faut pas être motivé, mais il faut être, n'est-ce pas, connecté. Il faut que tu sois connecté avec le Seigneur. Il faut que le message puisse pénétrer ton cœur pour que ton cœur change. Lorsque ton cœur changera, tu verras que même si tu as des problèmes, comme j'avais dit, au kozana kimiana motema, puisque la paix, la patience, l'amour, la joie n'a rien à voir avec de l'argent. Je connais des gens, après avoir mangé à Kenambe, à la palpitation, mais l'état le boumoune ne boue. Pourquoi? Puisqu'il a beaucoup mangé. Mais il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui partent là-bas et disent, Seigneur, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, puisque je n'ai rien à manger, mais je te dis merci puisque tu m'as gardé et je sais que demain je mangerai. Et la personne comme ça va dormir même mieux que la personne qui a mangé beaucoup de foufou, et puis elle a l'aliwana boué, même ça les passe. Gardons notre corps. Pour finir, je dois finir ce message maintenant. C'est que moi je te demande, mon frère, ma soeur.
malgré ba tanyons ton zambé à Batelio, il faut te poser une question. Nzambé à Batelio, n'est que tout seul au bas, pendant une année, à Pessio, ou à Pessio, yo na tour na yo, au salini pour Nzambé. Au salini pour Nzambé. Au teyi batuboni. Au kabeli batuboni. Au prier pour na batuboni. Ce sont les questions que tu dois te poser. Au tamboli ndengenini, ta vie. Est-ce que vous avez qui sanctifié, vous avez qui purifié toujours? Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? 2 Pierre, plutôt 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Bien, puisque nous sommes, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de l'Éternel. Na yepsudo ba promesse nyonso ya Nzambe. Mais pour kokisama ebongi to éviter makambo nyonso ko suyer et ko suyer nzoto na biso. Fornication, impudicité, mensonge, vol, tout cela. Et tout l'oukanini, tout à la sanctifier, tout poursuivre la sainteté, nakobanga Nzambe. Que Seigneur vous bénisse. Shalom.